Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que, les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée FD News, votre chaîne d'information et d'actualité en temps réel. Burkina Faso, l'importante prolifération et circulation d'armes inquiète. Une importante quantité d'armes entre au Burkina Faso sans contrôle. C'est la révélation faite par la Commission nationale de contrôle des armes. Des armes qui alimentent les tensions communautaires et le grand banditisme. Selon le secrétaire permanent de la Commission, il y a urgence de revoir la législation en vigueur afin de contrôler ce flux d'armes. Il y a énormément d'armes qui entrent au Burkina, relève le colonel-major Fatogoma Alseme Sanou. Mais difficile pour le secrétaire permanent de la Commission nationale du contrôle des armes de donner le chiffre, car il n'y a aucune disposition qui limite les importations. Les armes civiles, notamment les fusils de calibre 12 et des pistolets automatiques de calibre 7,5, sont importés par les sociétés privées de sécurité, des armureries civiles et des secessionnistes de chasse. De nombreuses personnes détiennent illégalement les armes, elles les auraient acquises par ignorance, soit par héritage. Nous devons apporter des solutions pour que ces personnes puissent régulariser la situation. Faut savoir, le colonel-major Fatogoma Alseme Sanou qui estime que cela permettra de recenser toutes les armes et de les marquer afin d'assurer leur traçabilité. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informer est notre mission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Laissez vos impressions en commentaire et partagez celle-ci avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Merci et bon visionnage à tous.